Attentat des talibans meurtriers contre des militaires afghans. 21 soldats ont été tués et 3 blessés. 7 autres ont été enlevés par les rebelles islamistes lors de cette attaque la plus meurtrière contre l'armée afghane depuis plusieurs mois. Hamid Karzai a condamné cet attentat et accusé le Pakistan d'avoir échoué dans sa lutte contre les repères terroristes. Le président afghan a également reporté son départ prévu dans la journée pour le Sri Lanka. Le général Zahir Azimi, porte-parole du ministère afghan de la Défense, précise que cette attaque contre un poste de l'armée a eu lieu dans le district de Ghaziabad, appartenant à la province de Kunar. Cette attaque, dit-il, a été menée par des dizaines de terroristes nationaux et étrangers et il y a eu des affrontements importants. Les insurgés ont aussi bénéficié de la complicité de certains soldats, selon le général. Les déclarations des autorités de Kaboul interviennent quelques jours seulement après l'annonce par Islamabad que 23 soldats enlevés de ces unités paramilitaires ont été tués sur le sol afghan.